Que l'on ne se trompe pas, les examens et concours comptant pour l'année scolaire 2017-2018 auront bel et bien lieu aux dates prévues, notamment le 29 juin 2018 pour le concours d'entrée dans les filières techniques, le 10 juillet 2018 pour le brevet d'études fondamentales et le 16 juillet 2018 pour le bac. Toutes les dispositions pratiques sont prises pour la mise en œuvre de ce programme, ont annoncé le ministre de l'Enseignement supérieur et son collègue de l'Éducation nationale. Pour eux, il faut absolument sauver l'année scolaire 2017-2018 afin de permettre aux jeunes nantis du bac 2018 de ne pas concéder du retard par rapport aux étudiants d'autres pays. S'agissant du volume horaire d'enseignement, les deux ministres estiment qu'il est à hauteur de 100% dans le privé et à 80% dans les établissements publics, ce qui est déjà suffisant pour passer les concours et examens. Cependant, conscient de cette situation inhabituelle, le ministre de l'Enseignement supérieur et son collègue de l'Éducation nationale demandent aux candidats aux concours et examens de redoubler d'ardeur dans les préparatifs. Jour J-7, les responsables de la Direction nationale des examens et concours s'activent pour mettre les bouchées doubles afin de tenir le pari de l'examen du brevet d'études fondamentales prévu le 2 juillet. Les sujets de composition arrêtés sont emballés pour être expédiés dans les 363 centres du pays où 85 311 candidats sont enregistrés. Depuis presque deux semaines, nous sommes en train donc de travailler dans le sens à respecter les dates qui ont été donc arrêtées. Pour le baccalauréat programmé le 16 juillet, les membres de l'Office national des examens et concours règlent les derniers détails. Le président du jury et son vice-président sont en train donc de procéder au choix des sujets, à la saisie et au tirage, etc. Donc je dirais que nous sommes vraiment fin prêts pour que le bac ait effectivement lieu à la date prévue. Malgré la suspension des cours à cause de la grève, les élèves attendent des pieds fermes les examens. On attend juste le jour venu pour affronter notre destin et ça va aller. Moi, je suis très prêt pour affronter l'examen parce qu'on a quand même finalisé les chapitres. Comme nous ceux des privés, on a quand même fait la majorité du chapitre. Pour la session de juillet 2018 du baccalauréat, 79 800 candidats, toutes filières confondues, sont attendus dans 95 centres d'examen.